Bonjour à tous, c'est Eren Gall, Concarneau et Quimper, et la fin de cette Race Cup qui s'est pas très bien passée, mais on n'a pas fait grand chose pour qu'elle se passe bien, faut bien le reconnaître. Aujourd'hui, c'est la grosse étape de vallon de cette Race Cup, surtout l'étape dans laquelle il y a un passage pavé. C'est ce passage pavé qui va nous intéresser. On sait que Kisbol ne devrait pas pouvoir... Kisbol devrait pouvoir suivre quand même jusqu'au sprint intermédiaire. On va faire en sorte qu'ils prennent le moins de points possible. Toutefois, on va faire rouler nos gars, c'est sûr et certain. Cela dit, on va envoyer Petilly aux avant-postes pour qu'il confirme son maillot à poids. Maillot à poids et combativité, ça va être les deux principaux objectifs du début d'étape. Et la fin d'étape, ce sera tenter de l'emporter avec Lucas Santo pour une deuxième victoire personnelle peut-être et un premier classement général. Mais on n'en est pas encore là, c'est parti. Ok, on sort avec Petilly. On est sorti solo pour l'instant, mais ça a pas l'air de laisser partir hein, derrière quand même, faut pas déconner. Et Sepp Van Marck, classique parmi les classiques, qui se joint à la fête. Allez, la côte de Californe, on la connaît par cœur. On a on a 30 secondes d'avance sur Duchesne, dis donc. Alors on avait quelques petites secondes d'avance et il y a eu un enchaînement de virages dans lequel j'ai tout simplement pas arrêté d'accélérer. Van Marck s'est fait lâcher très très vite. Duchesne était vraiment à 3 secondes de nous. Je suis très surpris des écarts d'un coup, mais bon, nous ça nous arrange. On va aller marquer 2 points, ce qui nous en fera 4 désormais avec Simone Petilly. Et on va peut-être se diriger vers 2 points supplémentaires. Je vais voir si on ralentit avant un peu. On a quand même une bonne minute d'avance hein, là sur Duchesne. Donc oui, on va déjà ralentir, ça c'est une évidence. 4 minutes d'avance également sur le peloton dans lequel Santo est toujours protégé. Et tiens, Colbrich, tu vas nous protéger Féliné, qui pourrait aussi s'avérer une option sympathique pour nous aider dans le final. Allez, on termine la côte de Trimène avec Simone Petilly qui va passer à 5 points. Il en restera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en tout à prendre quand même. Et on sera seulement à 5, donc il va falloir encore marquer quelques points. On a une avance confortable sur Duchesne désormais. Même chose pour Van Marck. On va continuer à un rythme élevé. Le maillot vert est distancé. Ça pourrait me donner envie de leur dire d'accélérer. On va pas le faire parce que j'aimerais que Petilly reste encore quelques temps seul devant. Mais ça reste quand même assez intéressant. On va ralentir avec Petilly, essayer de récupérer un petit peu en vue de la descente qui se profile. Allez, côte de Lennon, on a toujours une minute d'avance sur Antoine Duchesne, 3 minutes d'avance sur le peloton. On est à notre rythme hein, là avec Petit. De toute façon, on est clairement ici pour mettre des kilomètres et mettre des points grimpeurs. On va marquer nos 6e et 7e points grimpeurs si on arrive jusqu'à la suivante. Derrière, ça va être un petit peu plus compliqué de tenir le coup parce que clairement ça s'est excité. Derrière, le maillot vert était lâché pendant un temps, mais il est revenu malheureusement. Donc ça, c'est pas la bonne nouvelle de la journée. Allez, la côte de Karagantan avec Simone Petilly. On a une 15 d'avance sur Duchesne, 2,46 sur le peloton. Un peloton qui vient de rattraper Sepp Van Marck. Un peloton qui est à 2,58 désormais, non, 2,49. 2,49, ouais, bon, allez, on va dire que c'est parce que le premier roule fort, mais grosso modo, on va dire autour de 2,45. On a bien tenu, on s'est bien démerdé jusque-là, c'est très très bien. Maintenant, il va falloir se gérer pour arriver jusqu'au... il faut tenir grosso modo quasiment, allez, je dirais une petite vingtaine de kilomètres pour arriver à la prochaine côte de catégorie 3. Allez, le Meneskelerk, on est dans le dernier kilomètre, 1,49 d'avance sur le peloton. Tout le monde s'est fait rattraper et on va aller marquer 2 points supplémentaires, ce qui nous fait donc... Attendez, voilà. On avait déjà 2, on en a mis 5. C'est ça. 5 et 2. Ça faisait 7. 7 et 2. On a désormais 9 points. On est quasiment assuré de remporter le maillot à poids. Ainsi que la vache. Putain, les hélices
comme ça fait laggy, c'est dégueulasse. On est assuré d'avoir le maillot à poids et la combativité, ça ce sont les deux bonnes nouvelles de la journée. Comment ça va là-bas dedans? Eh ben ça va plutôt pas mal, ça va plutôt pas mal. On va peut-être assez rapidement passer sur Santo pour la fin d'étape, histoire d'être au mieux dans les kilomètres qui restent. Allez, Petit, Simone Petit qui va passer au sommet de la côte de Granac. Mais on l'avait dit, hein, c'est quasiment... Enfin, c'est fait d'ailleurs maintenant. Mathématiquement, je pense qu'on peut dire que c'est fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oui, c'est bon, c'est fait. C'est fait. On va passer sur Luca Santo pour la fin d'étape. On va dire à Simone Petit de rester sur un 70. Et c'est tout pour l'instant. Bon, alors pour le maillot vert, ça va être cuit, puisque Kissball est encore ici. J'aime pas notre position. J'aime pas du tout comment on est positionné. Dégage. Voilà. Ouf, c'est pas très beau ce qui vient de se passer. Allez, on va essayer un peu. Non, l'enculé. Ah, Kissball qui me pisse dessus, là. Ah, c'était horrible. Mais. Allez. Ah, oh, j'ai vraiment plus rien, je suis en train de donner tout ce que j'ai plus. Putain, on reprend un point à Kissball. Bon, bah ouais. Alors mathématiquement, on a repris un point, il y a 30 points à prendre à la fin. Si Kissball est pas avec nous dans le final, on peut encore... Oh putain, merde, il y a Petit Lee qui est juste devant. Bon, Petit Lee en même temps, il a fait son étape maintenant. Hop là. Allez, montagne de l'Ocronan avec le passage pavé. Alors, j'imagine que c'est un passage pavé de une étoile seulement. Je le tente quand même, sait-on jamais. Ok, ouais, donc c'était bien ça. Hop, on va repasser dans la route de Petit Lee. On a dit à tous nos gars de se mettre à 90. Hein. On a dit à tout le monde de se mettre à 90. Allez, il y aura encore 2 points à prendre au sommet. On va laisser Petit Lee passer devant sans hésitation. Hop, puisque nous, ça nous concerne plus tout ça. Kissball a été bien placé hein, aux dernières nouvelles. Ouais, on le voit, hein, le maillot vert qui est encore pas très très loin. Allez, il faut rester aux avant-postes parce que le virage qui arrive, il avait tendance... ah, attendez. Baptiste est là, qui décide d'attaquer. Très bien. Bien, pourquoi pas, est-ce que ça va faire craquer les gens? Il y a des gens qui craquent un petit peu. Baptiste est là qui met 2 points. Petit Lee qui récupère un point derrière. Ok, là on va passer en mode récup avec Luca Santo et Kissball qui fait toujours partie de la fête. Allez, côte de Notre-Dame de Lorette, on va pas attaquer, on va rester dans les roues de nos petits camarades. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui doivent prendre du... Mais si, il y a des gens qui doivent prendre du bleu, bien sûr qu'il y a des gens qui doivent prendre du bleu là-dedans. C'est limite, tout le monde est en train de dramer, tellement en forme. Faut vraiment... Je suis vraiment une crevure de la jouer avec Santo sur ce coup-là. Par contre, ouais, Santo, il est un peu plus sorti que ce que je voulais. Le maillot vert qui est toujours en visuel. Hein. On peut toujours voir le maillot vert pas très loin, même si ça roule fort pour lui désormais. Et c'est Narvez qui fait le rythme à présent. Ben Swift qui est là également. Allez, faut pas se laisser lâcher. Ouais, c'est pas bon pour le maillot vert là, ça fait pas nos affaires. Et Valgren qui s'est jeté pour prendre ce petit point devant Petit Lee. Bon, c'est trop tard hein, pour ça. Alors que Sean Williams tente de se faire la malle. Ok, Kissball est lâché. On a un groupe de 65 coureurs désormais, une 22 de retard pour le groupe maillot vert. Alors attendez, il faut quand même arriver à s'économiser un petit peu là. On a mis des gens à rouler, c'est pas à nous de le faire. Allez, attention, parce que là, il y a Williams, ça fait 2-3 fois qu'il essaie d'y aller. On a 5,8 km de l'arrivée. Allez, attention, putain, Ben Swift, il nous a fait un écart de bâtard. Ok, ouais, on peut rester à fond, là, jusqu'à la fin. On peut rester à fond jusqu'à la fin. On peut aussi se faire emmener, histoire de protéger notre rouge. Allez, nouvelle attaque de Valgren. Il est chaud, Valgren, il veut pas partager. 4,2 km, attention, hein, attention à Valgren. Quand même, hop, attention, allez le virage, tutoring, ne nous ralentis pas s'il te plaît, c'est cool, merci à toi. 3,4 km, est-ce qu'on est sorti? Non, on n'est pas sorti avec Luca Santo.
Par contre, on peut revenir très très fort, a priori, sur Valgren sans utiliser notre rouge. Ce qui serait au top. Putain, Aberasturi qui en a mis une aussi. Attention. Oh, attention. Non, 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 non. Ah, bah, arrivez-vous. Ok. Allez, on met l'attaque avec Lucas Santo. Une grosse, hein. On y va, franchement. On est un petit peu sorti, mais pas ouf non plus. Allez. Et on lance tout. On y va à fond dans le final. Allez, par contre, on va dire à nos gars de ne pas rouler, hein. Ils ont arrêté de rouler tous. Ouais, ils ont arrêté de rouler. Tout va bien. Hop. Allez. Allez, 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 allez. Ok. On a 16 petites secondes. Ouais, ça va revenir. Ça va revenir derrière. Ça va revenir. Ça va revenir. C'est en train de revenir. C'est en train de revenir très fort. Allez, on a pris tout. Le rouge qui nous restait. Est-ce que ça va suffire pour remporter cette Brace Cap? Je pense que ça devrait suffire. Mais l'homme. Oh non, c'est le maillot jaune qui fait 2. Je crois que le maillot jaune fait 2. Allez, on va revoir le ralenti. Parce que la victoire, il n'y a pas de problème. On l'a, mais derrière. Derrière. Et oui, et oui, et oui, c'est le maillot jaune. C'est le maillot jaune qui va prendre 6 secondes de bonif. Ah, peut-être pas, attendez. Non, c'est pas le maillot jaune. C'est pas le maillot jaune qui fait 2. Le maillot jaune va faire 3. C'est un Jumbo Visma. Et. Putain, vas-y, vas-y, le Baloise là. Vas-y, le Baloise, fais un effort, passe-le. Non, il le passera pas. Ok, le maillot jaune va mettre 4 secondes de bonif. Il faut qu'on reprenne plus de. Alors, 4, on avait 16 secondes de retard sur lui. Donc, ça veut dire qu'il est à 20 secondes moins. Il faut qu'on ait plus de 10 secondes d'écart. C'est pas dit qu'on les gagne. Oh putain, j'aurais les boules si on la gagne pas. Ça, c'est acquis, y'a pas de problème. Elle est pour Lucas Santo qui s'offre une nouvelle victoire sur une étape de ballon. Très bien. Mais est-ce que ça aura suffi pour prendre le maillot jaune? Ça risque d'être très très court, hein. J'ai peur que ce soit très très court. J'espère qu'ils n'ont pas compté tout le monde dans le même temps. Ça va. On l'a. On remporte le classement général de la Brace Cup. C'était notre objectif. Mais alors, ça doit se jouer à 2 petites secondes. C'était tendu avec Lucas Santo dans cet état-là de tenter le classement général. On l'a fait. C'est passé de peu. Mais c'est passé. Du coup, on doit être ex-aequo au niveau du maillot vert. Et non, c'est Kisbol qui va le conserver malgré tout. On n'aura pas le maillot vert. C'est dommage. Je pense qu'on est ex-aequo. Hein. Je pense qu'on est ex-aequo. Maillot à poids pour Petilli et le maillot blanc pour Santo. La victoire donc de Lucas Santo qui était en méforme devant Benot en méforme également. 14 secondes. On a repris 14 secondes. On doit terminer avec une dizaine de secondes d'avance sur Leknesund qui fait une belle troisième place. Il a défendu charmant sa peau, Leknesund. Alors malheureusement, nos coureurs ont décidé de faire 16-17. Voilà. C'était pas génial. Au niveau du meilleur grimpeur de l'étape, c'est donc Petilli qui a 9 points. Très bien. Au niveau du maillot vert, bah c'est Santo qui a mis 31 points. Putain, on est ex-aequo pour le maillot vert, ils auraient pu nous donner, non? Ou alors on n'est pas ex-aequo, j'ai dit la merde, on va vérifier ça. Santo, meilleur jeune de l'étape. La combativité, la meilleure équipe, c'est la Gorilla. Je pense qu'on a également le classement par équipe. Et Petilli, le plus combatif de l'étape. Au général, donc, on l'emporte avec Santo devant Leknesund pour 10 secondes. Et Regots termine à 20 secondes. Michael Valgren à 21 secondes. 27 secondes pour Bauke Mollema. 11e place au général pour Féliné. Bon, c'est pas mal. Vendrame est décevant. Hein, vu son état de forme, il aurait quand même pu faire mieux que ça. Meilleur grimpeur, donc Petilli avec 11 points, pas de problème. Ah bah non, alors on n'est pas du tout ex-aequo. C'est juste que je sais pas compter en fait. Je me suis dit que de 19 à 50 ça faisait 31 points. Non, ça en fait 41. Non, non, non. Attends, qu'est-ce que je raconte moi? Non, ça faisait 31 points. On avait 31 points d'écart. Mais il a mis 10 points sur l'étape. Donc on est 3ème. Pas de regret sur le maillot vert. Santo qui gagne donc le classement meilleur jeune. La Gorilla qui gagne le classement par équipe. Et Petilli le classement de la combativité. On doit marquer pas mal de points sur cette dernière étape. 54, 83. 83 marqués, points marqués par la Gorilla. Santo en met 54 de plus. Donc on doit avoir également des points pour Petilli. Ça doit être tout. 54 et 24, 78. Il me manque des points. Peut-être Féliné du coup. Et Féliné marque 5, c'est ça. C'est ça, et ça nous fait 83. Tout va
Bien, donc, plus 9 au niveau des objectifs de carrière. On a terminé un contre-la-montre individuel, on a gagné une table de vallon, on a gagné une course avec des secteurs pavés. Et ça, c'est le bon coup de la journée. Et on a gagné un classement général individuel. Plus 1 en pleine, 70, avec notre troisième contre-la-montre individuel. Maintenant, il va falloir gagner des étapes hein, pour progresser au niveau de la plaine. Il faut gagner des étapes de plaine. Ça va pas être facile facile parce que je pense qu'on va pas vouloir trop nous laisser partir. 75, on sprint avec notre deuxième étape de vallon. Très bien, rien en accélération. Malheureusement, rien... Non, plus 1 en vallon, 80 vallons désormais. On commence un peu à taper avec, avec le 80 vallons, ça fait plaisir. Rien en montagne, rien en descente. Plus 1, 67 désormais en contre-la-montre. Encore 2 et on passera à 68, mais que ça va être dur. Les contre-la-montre par équipe vont nous carry, hein. À ce niveau-là, il faut encore en gagner 2. Putain, ça nous ferait arriver péniblement à 68. Non, pardon, il faut en jouer 2 pour arriver à 69. Il faut en terminer 2 de plus des normaux pour arriver à 71. Et en gagner 1 par équipe pour arriver à 72. Et à partir de là, il faudra arriver à gagner des contre-la-montre tout seul. En même temps, on a fait un excellent contre-la-montre. Sérieusement, si on avait 72, je pense qu'on le gagnait, ce contre-la-montre. Le est en très mauvaise forme. En contre-la-montre, on prend plus 1 de la... En prologue, pardon, on prend plus 1 de la même manière. On prendra encore un point dans 2 contre-la-montre et plus 2 dans 2 contre-la-montre par équipe. Donc ça nous fera 77 prologues. Ça commencera à être quand même très sérieux. Ensuite, il faudra gagner des contre-la-montre individuel, on a encore un point à gagner par équipe. Ça va peut-être le faire grâce au prologue, hein, quand même, l'histoire des contre-la-montre. Un point en plus en résistance, on a gagné un classement en général individuel, en endurance, pardon. Un point en plus en résistance pour la même raison, 79. Un point en plus en pavé, on a gagné notre première course avec des secteurs pavés et on est toujours A en récupération, mais on a gagné un classement général individuel. Bien, et eh ben écoutez, et eh oh, pas mal tout ça quand même. Pas mal, on va pouvoir s'orienter tranquillement vers le début du critérium du Dauphiné, un critérium du Dauphiné avec histoire, une belle étape de plat, alors que des formes normales, hein. Dans l'équipe, on n'a pas vraiment de leader montagne, c'est Cataneo qui va faire office de leader montagne, je pense, en tout cas, l'idée avec Santo, ça va être de s'économiser à tout prix pour l'école de première catégorie, on ne visera que l'école de première catégorie, et hors catégorie, mais en l'occurrence première catégorie, et bien évidemment le contre-la-montre par équipe qui sera aussi très important. J'ai peur qu'on ait une équipe très très faible hein, pour le contre-la-montre par équipe par contre. Donc on ne devrait pas attaquer je pense sur histoire histoire. On tentera le col de première catégorie avec Santo sur histoire le Puy-en-Velay. Juan Firmi, on ne devrait pas faire grand chose. Le contre-la-montre par équipe, on va bien évidemment tout donner. Retournac Saint-Vallier, on enverra peut-être quelqu'un, mais certainement pas Santo. L'Oriole sur Drôme, le Sapé en Chartreuse. On va voir, parce que là, il commencera à y avoir des points montagne à prendre. Donc peut-être un Fabro qu'on n'a pas encore vu, ou un Cataneo. Laravoir, Vaujani, on partira en échappée avec Santo pour essayer de grappiller le col de première catégorie. Et Gap Saint-Jean-de-Maurienne, je pense qu'on partira en échappée avec Santo. Mais bon... J'y crois pas trop, hein, à passer au sommet en haut du col du Blandon. Ça me paraît un petit peu compliqué, cette histoire. On tentera quand même, mais voilà, j'y crois pas trop. Surtout qu'il y a la Seine Montvernier derrière, ouais, c'est ça. La Seine Montvernier derrière, donc voilà. Bien, allez, on va en rester là. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode qui s'est ben, très très bien passé finalement, qui s'est passé exactement comme je le voulais. Donc je suis très satisfait. Le Dauphiné, hein, le Dauphiné avant d'attaquer le Tour de France. Alors la bonne nouvelle, c'est que là on aura un contre-la-montre par équipe et on en aura un autre sur le retour. Également deux étapes avec des pavés. Santo qui sera en forme normale. On essaiera peut-être. Il y aura quand même Vander Poel et compagnie. On verra. On verra suivant les états de forme. Alors celle-là, j'y crois pas trop. Peut-être sur celle-là, il y aura moyen de faire un petit quelque chose. À voir. Mais en tout cas, on aura un deuxième contre-la-montre par équipe. Et on l'a vu, on a besoin de deux contre-la-montre par équipe pour progresser dans tout ce qui touche au chrono. Et alors,
celle-là, il y a quand même beaucoup de pavés, ça va être compliqué. Pour Santo qui visera, a priori, je partirai sur le maillot à poids, et peut-être le maillot vert, mais surtout le maillot à poids, sur le Tour de France. Trois contre la montre à disputer, il y aura tous les spécialistes. Donc, on va pas espérer gagner le moindre de ces contre la montre. Ah putain, j'aurais bien aimé que ce soit Saint-Pé sur Nivelle, j'aurais presque cru. Surtout que celui-là, il est quand même très très long. En fin de tour comme ça, ça va être très très dur. Ça va être très très dur. C'est seulement possible de gagner un tour de gagner le maillot à poids. Ah, attendez. Non, là c'est de la merde, y a pas grand chose. Pareil. Ok, Dol Lausanne, il y a quelques petits points à prendre. Mais Aigle, Châtel, les Portes du Soleil, il y en a beaucoup plus. On partira avec Santo sur celle-là, c'est sûr et certain. J'ai la combativité aussi à prendre avec Santo. Morzine, les Portes du Soleil. Je pense qu'on partira pas sur celle-là avec Santo. Par contre, je crois qu'on essaiera de partir sur celle du col du Granon. Qui risque d'être quand même bien difficile. Évidemment sur celle de l'Alpe d'Huez. Là, on sera carbo. Ah, celle-là aussi, a priori, hein, bah, on devrait pas être en forme. Peut-être gratter le col de catégorie 2. Ah, quoique, là, à la limite, on peut presque tout donner, parce que derrière, il y a... Ah, putain, le contre-la-montre avant la journée de repos, c'est nul, merde. Putain, celle-là, il y a quand même 37 points à prendre. Mais compliqué. Faudra voir comment on est placé, faudra voir les échappées dans lesquelles on est, etc. Malheureusement, je pense qu'on va pas prendre de points montagne, sauf à passer des cols de catégorie 2. Si on arrive à prendre un ou deux points montagne... Des cols de catégorie 1, pardon. Si on arrive à prendre un ou deux points montagne, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ça va être compliqué, dans tous les cas. Bref, allez, assez bavassé. Prochain épisode, le début du Critérium du Dauphiné avec Luca Santo. Et peut-être un petit point montagne dans le mouvement, ce serait pas mal. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Allez, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. C'était Aïndial, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.